Oh non, Wendy! Qu'est-ce qui se passe, ma pauvre petite chérie? Oh oui, je me suis fait mal à mon genou. Oh oui, oh maman, aide-moi s'il te plaît. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, j'ai un bobo pauvre de moi. Oh, viens ici, pauvre petit. Oh là là, pas toi aussi. Oh oui, il a cogné sa petite tête. Oh oui, envoyez-le directement au lit. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, il a un bobo pauvre bébé. Maman, mon cœur. Ah oui, elle s'est cognée le petit orteil. Ah oui, ça fait très mal, je sais. Ah oui, ah oui, ah oui, elle a un bobo pauvre Suzy. Blesser le pouce. Ah oui, je me sens un peu bête. Ah oui, les mamans ont aussi des bobos, vous voyez. Bou, et que faire? Les câlins et l'amour nous rendent comme neuf. Pauvre maman. Oh, ça va aller. J'ai le docteur Wendy et des infirmiers jumeaux pour me faire sentir mieux. Oh, c'est vrai. Oh. Hey maman, qu'est-ce qui se passe avec les jumeaux? Eh bien, Wendy, j'ai bien peur qu'ils ne se sentent pas très bien, les pauvres petits. Oh non! Tu veux dire qu'ils sont malades? Donc c'est à nous de prendre soin d'eux. Ne t'inquiète pas, ils vont s'en sortir. Peter a le nez qui coule et des joues roses. Il a l'air un peu endormi et un peu faible. La petite Suzy a de la toux et les yeux qui grattent. Tout ce que je veux, c'est aider ces petits gars. Quand tu es malade, je t'aiderai. Quand tu es malade, je te tiendrai au chaud. Quand tu es malade, je t'aiderai toute la journée. Quand tu es malade, je te nourrirai. Quand tu es malade, te laissera te reposer. Quand tu es malade, je te dirai que bientôt tout ira mieux. Petite Suzy est brûlante. Oh, que faire? Voici une compresse froide. Je suis là pour toi. Petit Peter a mal au ventre. Pauvre petite chose. Prends un médicament, écoute-nous chanter. Quand tu es malade, je t'aiderai. Quand tu es malade, je te tiendrai au chaud. Quand tu es malade, je t'aiderai toute la journée. Quand tu es malade, je te nourrirai. Quand tu es malade, te laissera te reposer. Quand tu es malade,
je te dirai que bientôt tout ira mieux. Nous sommes tous un peu malades parfois, et c'est dommage. Les amis et la famille seront toujours là pour toi. Alors s'il te plaît, ne sois pas triste. Hé, hey, maman, on dirait que les jumeaux commencent à se sentir mieux. Tu as raison, Wendy. Tu vois comment un peu d'amour peut faire une grande différence quand tu te sens malade. Oui, c'est le meilleur médicament. Quand tu es malade, je t'aiderai. Quand tu es malade, je te tiendrai au chaud. Quand tu es malade, je t'aiderai toute la journée. Quand tu es malade, je te nourrirai. Quand tu es malade, te laissera te reposer. Quand tu es malade, je te dirai que bientôt tout ira mieux. Oh! Ok les jumeaux, c'est l'heure de l'histoire. Que penses-tu de l'histoire de Boucle d'Or et des trois ours? Yeah! Il était une fois dans une maison dans la forêt. Il vivait trois ours qui aimaient leur soupe. Ils en mangeaient tous les matins et chaque soir. Celle de papa était chaude. Celle de maman était froide. Celle de bébé était au coin. Je suis papa ours, je suis grand et fier. Je suis maman ours, je peux rugir si fort. Je suis bébé ours, c'est mon fauteuil. Nous sommes les trois ours. Les trois ours décident d'aller chercher du miel pour mettre dans leur soupe. Et ils partent dans les bois. Juste à travers les bois vivait une petite fille avec des cheveux dorés et beaucoup de boucles. Venait d'entrer dans la maison des trois ours. Wow, regardez par là, une table de nourriture. Super, parce que je suis dans l'ambiance. Pour un grand bol de soupe juste pour moi. Hey, y en a un. Hey, y en a deux. Non, regardez, y en a trois. La soupe de papa ours est trop chaude. La soupe de maman ours est trop froide. La soupe de bébé ours c'est ce qu'il faut. Après avoir mangé sa soupe, Boucle d'Or s'est senti fatigué et a voulu se reposer. La chaise de papa ours semble trop dure. La chaise de maman ours semble trop douce. La chaise de bébé ours, la dernière au final. Maman ours, quelqu'un a mangé celle de bébé aussi.
n'étaient pas très heureux du tout. Ils sont montés à l'étage pour trouver l'intrus. Quelqu'un a dormi dans le lit de papa ours. Quelqu'un a dormi à l'intérieur du lit de maman ours. Quelqu'un a dormi dans celui de bébé ours. Oh, laisse voir. Oh, pauvre de moi. Et là, voilà. Qui êtes-vous? Je suis Boucle d'Or. Et qui êtes-vous? Nous sommes les trois ours. Leur maison. Elle courut jusqu'à la maison et n'est jamais revenue. Une très bonne leçon elle avait appris. Encore une fois la maison des ours était pleine de rire et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est la fin. Nous aimons la crème glacée.
petit copain Boum, yeah. Sale petit copain Boum. Sale petit copain Boum s'envole dans l'espace sur une fusée construite pour la course. Il flotte tous dans l'espace. Allez les Boum Buggies, sentez la basse. Ok mes jumeaux chéris, il est temps de faire une sieste. Que diriez-vous d'une berceuse? Yeah! Oups! Désolée! Chut! Un jour, quand je serai vraiment grande, je vais être maman aussi et avoir mon propre petit bébé à qui chanter. Moi aussi! Pour l'instant, vous pouvez m'aider à vous entraîner à être de bonne maman. Peut-être que si nous chantons, pour endormir les jumeaux, nous les aiderons à faire de beaux petits rêves. Chut, petit bébé, ne dites pas un mot. Maman va vous acheter un oiseau moqueur. Si cet oiseau moqueur ne chante pas, maman va vous acheter une bague en diamant. Et si cette bague en diamant devient du cuivre, maman va vous acheter un joli miroir. C'était tellement beau. Regarde, ils ont tellement sommeil. Ouais, on peut chanter pour eux, maman? Oui, bien sûr. Chut, petit bébé, ne dites pas un mot. Maman va vous acheter un oiseau moqueur. Si cet oiseau moqueur ne chante pas, maman va vous acheter une bague en diamant. Maman t'achètera un joli miroir. Maman va vous donner un ours en peluche. Si cet ours en peluche ne se sent pas bien, maman va vous montrer des souris qui dansent. Si les souris qui dansent s'enfuient déjà, maman vous dira que ce n'est pas si grave. Petit bébé, chute petit jumeau, maman va vous jouer du violon. Si ce violon ne veut pas jouer, maman va vous montrer la voie lactée. Si cette voie lactée brille encore très fort, elle va briller encore pour la nuit.
petit bébé maintenant endormi. Reposez vos têtes et comptez les moutons. Regardez les moutons voler dans le ciel. Pendant que je chante cette jolie berceuse, quand vous vous réveillerez, je serai là, juste à côté de vous sans jamais avoir peur. Bienvenue à la fête annuelle des fruits des copains de Combadies. C'est nous qui vous l'apportons, nous les copains des fruits. C'est ça les garçons et les filles. Une fois par an, nous nous réunissons tous et nous nous déguisons en notre fruit préféré, vous l'avez deviné, les fruits. Regarde, je suis une banane. Je suis vraiment jaune et amusante à manger. Parfaite nourriture pour un singe. Une délicieuse friandise. Laissez-moi vous dire tout ce que je sais sur les fruits. C'est vraiment très bon pour toi. Et c'est vrai, c'est délicieux et savoureux, mon plat préféré. Oh oui, nous sommes les toutes effritées, c'est vrai. Hey, je suis une orange. J'ai grandi sur un oranger. Les personnes me boivent comme du jus. Je suis pleine de vitamine C. Quoi d'œuf? Je suis une pomme. Si tu as besoin de vivre, je suis ton homme. Vert ou rouge sont mes couleurs. Je peux être cuite dans une table. Laissez-moi vous dire tout ce que je sais sur les fruits. C'est vraiment très bon pour toi. Et c'est vrai, c'est délicieux et savoureux, mon plat préféré. Oh oui, nous sommes les toutes effritées, c'est vrai. Et les gars, je suis un avocat. Certaines personnes pensent que je suis un légume, mais non, je suis un fruit. Je suis tropical, ce qui est bien. J'ai une jolie coiffure en épi. Tu me manges en tranches. Laissez-moi vous dire tout ce que je sais sur les fruits. C'est vraiment très bon pour toi. Et c'est vrai, c'est délicieux et savoureux, mon plat préféré. Oh oui, nous sommes les toutes effritées, c'est vrai. Nous sommes les toutes effritées, c'est vrai. Nous sommes les toutes effritées, c'est vrai. Ah! Une araignée! Éloignez-vous, madame araignée! Wow! Qu'est-ce qui va pas, Carole? Les araignées sont si effrayantes! Non, elles ne sont pas. Elles peuvent pas te faire de mal. Elles sont petites et tu es tellement plus grande. Gentilles, elles se relèvent toujours quand elles tombent. Regarde ça! La petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée, a emporté l'araignée. Le soleil a brillé et a séché toute la pluie. Et la petite araignée à la gouttière a regrimpé. Itsy witsy araignée, itsy witsy araignée. Itsy grimpe plus haut, itsy grimpe plus haut. Je sais pas, il me semble qu'elle est encore un peu effrayante. Non, elle fait juste son truc. La petite araignée à la porte a grimpé. La pluie est tombée, a emporté l'araignée. Le soleil a brillé et a séché toute la pluie. Et la petite araignée à la porte a regrimpé. Itsy witsy araignée, itsy witsy araignée. Itsy grimpe plus haut, itsy grimpe plus haut. Je pense qu'elle est beaucoup plus mignonne. Et en plus, elle continue de grimper. La petite araignée à l'arbre a grimpé.
La pluie est tombée, a emporté l'araignée. Le soleil a brillé, a séché toute la pluie. Et la petite araignée à l'arbre a regrimpé. Incy Wincy l'araignée, Incy Wincy l'araignée, Incy grimpe plus haut, Incy grimpe plus haut. La petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée, a emporté l'araignée. Le soleil a brillé et a séché toute la pluie. Et la petite araignée à la gouttière a regrimpé. Incy Wincy l'araignée, Incy Wincy l'araignée, Incy grimpe plus haut, Incy grimpe plus haut. T'avais raison, Nico. Les araignées sont géniales. C'est vrai. Et Incy est mon ami à huit pattes préféré. Hey les gars, qu'est-ce que vous diriez si on partait à l'aventure là? Yeah, comme le parc ou le zoo. Nathan, tu peux demander à ta mère de nous emmener? Je sais pas les gars, elle a l'air très occupée aujourd'hui. Allez Nathan, on veut aller jouer nous. Ok, j'essaierai. Hey maman, on peut avoir une aventure. Non, non, non. Est-ce qu'on peut jouer avec la boue? Non, non, non. Manger beaucoup de bonbons? Non, non, non. S'il te plaît, maman, on peut? J'ai dit non! Non, 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 non. Non, 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 non. S'il te plaît, maman! Non, 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 non. Non, 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 non. Ça veut dire non! Oh là là, ma mère ne nous laissera jamais aller nulle part! Hey, peut-être que je pourrais essayer de demander et voir si ça a... Excellente idée! Bonne chance! Je peux sauter mes devoirs? Non, non, non! Manger beaucoup de bons desserts? Non, non, non! Tu pourrais emmener au bowling? Non, non, non! Mais mal et se promener? J'ai dit non! Non, 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 non! Non, 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 non. S'il te plaît, maman. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça veut dire non. C'est sans espoir. Attendez, laissez-moi essayer. Aucune maman ne peut résister à mon charme. Et voilà, rien. On peut regarder un film. Non, non, non. Peut-être boire un smoothie. Non, non, non. Faire une soirée pyjama. Non, non, non. Jouer dehors avec Rover. J'ai dit non. Qu'est-ce que vous pensez d'une glace? Traîner avec notre équipe de foot? Non, non. On peut se coucher très très tard? Non, pas question. On peut aller au parc et jouer? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça veut dire non. Eh bien, je suppose que c'est réglé. Pas d'aventure aujourd'hui, les gars. Oh, les garçons, j'ai fini mes corvées. Que diriez-vous de cette crème glacée? C'est vrai, c'est génial. Merci, maman. Marc, peux-tu nous lire une histoire, s'il te plaît? Bien sûr, petit frère. Celle des trois petits cochons, je l'adore, celle-ci. Moi aussi. Ok, alors rassemblez-vous tous. Trois petits cochons. Trois petits cochons. Trois petits cochons décident de construire une maison. Cochon avait quelque chose à dire. Je vais construire ma maison avec du foin. Il rassemblera tout le foin qu'il trouvera et construit sa maison en un temps record. Foin, foin, foin. Je vais construire ma maison avec du foin. Le deuxième cochon pensa très vite. Je vais construire ma maison avec du bois. Elle rassemble les bois qu'elle a trouvés et construit sa maison en temps record. Bois, bois. Je vais construire ma maison avec du bois.
Le troisième cochon n'aime pas ses tours. Je vais construire ma maison avec des briques. Ça va prendre beaucoup plus de temps, mais la maison la plus solide sera la mienne. Briques, briques, briques. Je vais construire ma maison avec des briques. Soudain, loup apparu. Alors dans leur maison, les cochons ont disparu. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Petit cochon, laissez-moi entrer. Non, par les poils de mon menton, menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh, oh, non. Petit cochon, laissez-moi entrer. Menton, menton. Alors je soufflerai, je détruirai la maison. Oh! La maison de briques était solide, elle n'a pu être emportée. Vous inquiétez pas, les amis porcs, nous sommes en sécurité. Le loup descendit la cheminée, mais les cochons allumaient le feu. Oh! Ici, méchant loup. Trois petits cochons, trois petits cochons vivaient dans une maison en briques. Voulez-vous monter à bord? Nous allons vous montrer comment un camion de pompiers est vraiment cool. Yeah! Les roues du camion de pompiers tournent, 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 tournent. Les roues du camion de pompiers tournent, tournent dans toute la ville. Regardez ça! Le tuyau du camion de pompiers fait spray, spray, spray. Spray, spray, spray. Spray, spray, spray. Le tuyau du camion de pompiers fait spray, spray, spray. Dans toute la ville. Wow! Wow! Les enfants sur le camion de pompiers disent waouh waouh waouh, disent waouh waouh waouh, disent waouh waouh waouh. Les enfants du camion de pompiers disent waouh.
waouh, waouh, waouh. Dans toute la ville. Ok, on y va. Yeah. Wouhou. Yeah, yeah. La cloche du camion de pompiers fait ding, ding, ding. Fait ding, ding, ding. Fait ding, ding, ding. La cloche du camion de pompiers fait ding, ding, ding. Dans toute la ville. Ok, les enfants, chantons encore une fois avant de rentrer tous à la maison. Les roues du camion de pompier tournent, 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 tournent. Les roues du camion de pompier tournent, tournent dans toute la ville. Merci à tous les pompiers. Waouh, c'est vraiment génial. Je voudrais être un pompier quand je serai grand. Moi aussi. Wow, les gars, où sommes-nous? Yeah, c'est quoi cet endroit? Bien, tu ne peux pas venir avec moi. Où un singe se balance dans les arbres. Y a un éléphant, un oiseau, des antilopes en troupeau.
choses au lit. Je t'ai apporté du pain délicieux. Oh merci ma chérie, je me sens malade. Viens un peu plus près, jeter un œil. Oh mère, tu n'as pas l'air d'être toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je dois avoir un vilain virus. Grimpe sur le lit et fais-moi un câlin. Grand-mère, quel grand yeux tu as! De grands yeux pour te voir. Grand-mère, quelles grandes oreilles tu as! De grandes oreilles pour t'entendre. Grand-mère, quelles grandes dents que tu as! De grandes dents pour te manger. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Je t'ai entendu crier de très très loin. Hey grand méchant loup, à préparer les juments pour leur bain? Bien sûr!
sûr aller, les petits. L'heure du bain est peut-être tellement amusant. Laissez-moi vous montrer maintenant. L'heure du bain est le meilleur moment. C'est le moment de s'amuser. Allons-y, faisons des bulles. Mais attention, ne courez pas. Super jeu amusant. On va vous montrer. Oh oui!
pensez? Est-ce que c'est quelque chose que vous buvez? Regardez en haut, regardez en bas. Peut-être quelque chose que vous lancez? Oh, je sais! B pour balle! B, A, L, B pour balle! Yo! C'est vrai, Nico! Tu as bien deviné! C'est ton tour! Ok! J'espionne, j'espionne, j'espionne avec mon petit œil! J'espionne, j'espionne, quelque chose commençant par V! Quelque chose commençant par V! Quelque chose commençant par V! Laisse-moi voir, cela peut être n'importe quoi autour de moi. Regardez à gauche, regardez à droite, regardez tout ce qui est en vue. Je sais! V, c'est pour la vague! V-A-G-U-E, V, c'est pour la vague, oui! C'était amusant! Hey, Carole, maintenant que tu sais comment jouer, essaie! Laissez-moi deviner, je vais gagner ce tour. Oh oui, regardez par là, regardez par ici, peut-être à côté, peut-être loin. Oh, je sais. S comme sable. S-A-B-L-E, S comme sable sous vos pieds. Oh, oh, j'en ai encore un. Et je sais que vous allez adorer celui-là. Quelque chose commençant par G. G. Oh mon Dieu, est-ce que c'est quelque chose dans le ciel? Regardez vers le nord, regardez vers le sud. C'est quelque chose qui va dans ta bouche. Oh, je sais. G pour glace. Vous criez, je crie. Nous crions tous pour la glace. Allons en chercher. L'histoire, les petits jumeaux? Yeah! Que diriez-vous de l'histoire de Jack et le haricot magique? Parfait! Jack vivait dans une petite ferme. Il faisait ses corvées, travaillait dur. Un beau jour, sa maman lui dit qu'il n'y avait plus de graines. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Nous avons besoin d'un Jacques, tu dois aller en ville pour vendre notre vache préférée. Et Jacques a pris leur vache préférée. Il marche jusqu'à la ville et rencontre un vieil homme. J'ai un marché pour toi, mon garçon. Tu peux acheter mes haricots. Des haricots, que font-ils? Tu les plantes, ils deviennent énormes. Tu les plantes dans le sol et pendant la nuit, elles poussent très vite jusqu'au ciel.